Bonjour les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous nous rencontrons aujourd'hui, bien sûr, pour écouter les messages d'amour que nos chers défunts, que nos chers étoilés ont pour nous. D'accord ? Donc, si c'est la première fois que vous découvrez, voilà, une de mes vidéos, bienvenue. D'accord ? Merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Et n'hésitez surtout pas, à la fin, si vous voulez regarder la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rejoindre notre belle famille spirituelle qui est une famille de partage, de soutien, de respect, de lumière. Et donc voilà, on va voir aujourd'hui ce que les messages que nos étoilés plutôt ont à nous dire, quel message ils ont à nous à partager avec nous. Et je sens une énergie de confusion, une énergie de ne pas comprendre, ou de ne pas savoir, ou j'ai l'impression que cette personne qui me transmet son énergie, ce défunt, est une personne peut-être qui est partie brusquement, est parti rapidement. Donc il n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. C'est arrivé, voilà, très très rapidement. Et il y a une confusion, il y a, voilà, il n'arrivait pas à comprendre jusqu'à maintenant le pourquoi de son départ, pourquoi les choses sont arrivées. En tout cas, on me dit que c'est arrivé en un claquement de doigts. Donc si ça vous parle, il y a voilà quelqu'un de l'autre côté qui m'envoie cette énergie, mais qui veut aussi vous dire que malgré que c'est passé rapidement, où il est, on s'occupe très bien de lui. D'accord, on s'occupe très bien de lui et il va bien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Donc, on va voir quel autre message. Cette carte-là. Alors, nous avons « Accepte mon départ ». La disparition peut sembler inacceptable et brutale. Tu penses que je suis parti trop tôt et que nous avions encore beaucoup de choses à partager ensemble. Mais tu dois continuer et ne rien regretter. Donc, cette carte, avec cette belle illustration de cette âme qui traverse le voile, le rail de train qui symbolise le chemin parcouru sur Terre, l'expérience de vie, me montre que voilà, cette personne est arrivée au bout de son expérience très tôt, parce que je sens une personne jeune, je sens une personne qui était encore dynamique, une personne qui avait peut-être encore, on me fait entendre, la vie devant lui, mais c'était son parcours, d'accord, c'est très regrettant. C'est très triste même de perdre quelqu'un, surtout quand c'est une personne jeune. Mais il veut vous rassurer, il veut vous consoler, il veut vous dire que son départ, c'était son moment. Il y a des personnes qui vivent 100 ans, d'autres qui vivent une journée, une heure seulement, depuis leur naissance. Donc il y a une variété d'arrivée et de départ. Voyez la vie comme un aéroport. Certaines fois, nous sommes là que pour une courte escale, et quelquefois, nous sommes dans un long courrier, où le voyage est beaucoup plus long. Et on me fait parler d'avion parce qu'on me dit que les voyages et les découvertes sont aussi, font partie aussi de votre partage avec cette âme. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut accepter son départ, qu'il faut être en paix avec ce qui s'est passé. Il faut que votre vie prenne une nouvelle tournure et que le regret, le chagrin ne soit pas, comment dire, un frein pour vous empêcher de vivre. D'accord ? Son décès n'est pas votre décès. Mais il le dit d'une façon très affectueuse, hein. Que son décès, c'est pas le vôtre, et que votre vie ne doit pas s'arrêter au moment de son départ à lui. Vous voyez ? Et surtout que vous aviez une vie avant son arrivée, et il est venu embellir cette vie,
Et maintenant qu'il est parti, il ne veut pas être la cause de votre désespoir. Il veut que vous acceptiez la voie de la guérison et que vous puissiez aller de l'avant. Nous sommes toujours une famille, on vous dit. En esprit, nous partagerons, nous serons toujours présents et nous t'accompagnerons à chaque événement de ta vie. Pour tes anniversaires, à Noël ou durant les fêtes de fin d'année. Alors, vous le voyez bien, vous avez des personnes de l'autre côté qui vous aiment beaucoup. Une famille spirituelle, une famille bienveillante. Et malgré le départ peut-être précipité de cette jeune personne, j'ai l'impression que c'est un enfant, ou ça peut être une sœur ou un frère, mais quelqu'un de jeune, et on vous parle de famille. Donc la famille continue malgré tout à aller de l'avant, à avancer, à bien se porter. D'accord? On veut que vous soyez vous aussi dans une lumière, dans une dynamique, dans une belle énergie. D'accord? Je vais tirer une dernière carte parce que les énergies se dissipent. Alors, tu n'es pas encore prêt. N'essaye pas de forcer les choses. Tu n'es pas encore prêt pour percevoir des signes et des messages. Cela ne te causera que davantage de peine et tu en as déjà. Et quand le moment sera venu, je t'enverrai un signe et tu sauras que tu sauras connaître. Alors, cette carte me dit que vous avez tout le temps dit, si tu es là, envoie-moi un signe. Je veux que tu me montres que tu vas bien. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'envoies un signe. Et ce qu'on veut me faire sentir avec cette carte, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord? Recevoir un signe de votre étoilé, de votre défunt, va vous replonger dans le chagrin, va vous remettre dans une énergie de tristesse, de désespoir. Et souvent, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous envoyer de signes. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas en rêve. Parce qu'ils savent que leur apparition, leur présence ressentie à côté de vous va provoquer un bouleversement, va provoquer un chagrin. Et ils ne veulent pas être la cause de votre chagrin. Vous en avez déjà assez, ils le disent. Donc, ils ne veulent pas que vous soyez, voilà. Que vous soyez, comment dire, attristé par cette vision, par ces signes. Donc, vous avez vraiment des gens de l'autre côté qui sont bienveillants, qui veulent que vous alliez bien. Et ils le disent, hein, ne t'inquiète pas pour nous, va. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu acceptes le départ. Il faut que tu sois en paix avec ce processus de deuil et que la vie continue malgré tout. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez pu trouver dans ce message d'aujourd'hui du réconfort, une confirmation, des signes, un soutien, une guérison peut-être même. Et comme je le dis souvent, des fois, si les messages ne reflètent pas votre vie, votre vérité, votre situation, c'est que peut-être il y a quelqu'un de proche de vous qui vit cette situation. Et que nos chers étoilés vous ont utilisé tel un porteur de bonnes nouvelles pour que vous puissiez remettre ce message à une personne qui vous est proche. Donc, si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas de partager la vidéo avec les personnes qui en ont besoin. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, d'accord? Souriez, respirez. Vivez, appréciez cette belle vie et je vous dis à très vite.